Je suis en direction de Pinel, la petite île en face de Saint-Martin. On va voir si les fonds sont plus jolis. Maintenant pour rejoindre notre coin, c'est tout saccagé sur les bords. Alors avant c'était de là qu'on partait, il y a un ponton qui a sauté pendant le cyclone. Passer par le bord. On est arrivé. Faut juste faire attention aux rats et aux iguanes, parce qu'une fois, il y avait des rats qui étaient rentrés dans le sac pour trouver de la bouffe. De Dieu! Elle a vite sauté, dis donc, sauté dans l'herbe. Au cas où on me vole, je planque toujours mes clés de bagnole et l'argent et le ticket de retour. Sous une pierre par là, discret. Pour le timing, le soleil apparaît juste pour moi, pour me faire un peu de couleur sous l'eau. Oh, je suis déjà rentré, c'est déjà pas mal. On va traverser les herbes pour atteindre les rochers. Alors il n'y a plus la corde pour se retenir. C'est emmerdant, le courant nous emmène plus par là-bas derrière. Nous emmène plus par là. Donc bon, je vais faire encore une vingtaine de mètres, mais je crois que c'est trouble. Ça fait ma journée. Oh. Je commençais à dire quelle déception, c'est fond et paf, la tortue. Bien.
vu, elles sont en sable quand il y a danger. Bon, ça fait deux choses intéressantes. Là, c'est du corail de feu, c'est surtout pas mettre la main, ça pique pire que des orties. Alors là, c'est des anciens poteaux du ponton. Bon, et ben, je suis quand même content de ma matinée, malgré tout. Et là, ça s'arrange un peu, les vagues disparaissent. Mais il y avait quand même pas mal de courant tout à l'heure là-bas. Et puis, c'était trouble. Je vais changer de plage peut-être. Je vais traverser l'île là, à pied. Et de l'autre côté, il y a une plage nord où il y a des gorgones dans l'eau. Il y avait tout un champ de gorgones. C'est là que j'avais vu le gros barracuda, mais il était trop loin. Bon, à plus. ...12h55, c'est l'heure du petit casse-croûte. J'ai prévu. Parce qu'on est bien là finalement, je préfère ici que sur une table de resto, là je sais pas. Aujourd'hui j'avais envie de nature, c'est bien. Je viens de découvrir un coin de sieste là. Miraculeux. Je vois pas pourquoi j'en profiterai pas. Vu que je suis tout seul. Parce que au loin, j'entends sur la plage de la musique. Boum boum boum. Alors oublie. On va déboucher sur la plage nord. Un tour en face, voir s'il y a toujours les gorgones.
3 mètres du bord, le barracuda. Il est tout petit. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Vous voyez, l'île Épinel où je suis, il est séparé que de 200-300 mètres à cet endroit-là, avec Saint-Martin. C'est nouveau, ça, il y a des chiens sauvages sur l'île. J'ai eu chassé des langoustes dans le temps ici. On avait fait quelques bonnes prises dans le passage entre Saint-Martin et Épinel. Tu veux te plonger? C'est ton chien? C'est Yondon? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Allez, 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 donne, donne-ni, donne. Aïe, 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 a